Des musiques qui ont été composées pour des occasions de la vie sociale. Et que si on les joue dans une salle de concert, eh ben, on manque leur objectif. Et les berceuses, ça a toujours été fait pour endormir des enfants. Les marches nuptiales, c'est fait pour les mariés. Les marches funèbres, c'est pour les enterrements. En ce moment, un travail qui s'appelle la musique dans la vie réelle. Et donc, on travaille des répertoires qu'on va jouer après dans le contexte pour lequel ils ont été composés. Par exemple, on va jouer des berceuses dans les crèches, des musiques d'attente dans les ascenseurs, des chansons d'amour dans les parcs, et ce soir, on fait des chansons à boire dans les bistrots. C'est un dispositif d'apprentissage qui s'adresse à des enfants, pour la moitié qui sont débutants et pour la moitié qui sont déjà avancés. On fait attention aussi à ce que ce soit un groupe d'origine sociale mixte, donc on s'est rapproché des structures sociales de notre quartier. Et donc les groupes sont composés d'enfants qui viennent en gros pour la moitié de Polynote et l'autre moitié d'élèves qui viennent de l'extérieur. Le verre à la toute fin. Donc ça fait. Ok, attention à ne pas ralentir. Le fait que tout d'un coup on ait des enfants dont on n'a pas l'habitude ici à Polynote, parce que notre catégorie socio-professionnelle est plutôt élevée, c'est quelque chose qui tout d'un coup qui revitalise l'enseignement. Je vois bien que les professeurs qui sortent de leur séance de travail, ils ont un sourire qu'ils n'ont pas d'habitude, et c'est comme si tout d'un coup on touche de plus près l'utilité de la musique et de l'enseignement de la musique. Ça permet de rencontrer des enfants qu'on ne rencontre pas d'habitude. Moi, je connais plein de nouvelles têtes, là, je suis très content de les découvrir. Ils apprennent très vite, ils sont très sympas, ils s'aident beaucoup entre eux, il n'y a aucun stress, quoi. Il n'y a pas de mauvais esprit. On est vraiment dans la musique et dans le projet, et ensemble, on construit le projet, et c'est ça qui est sympa, quoi. Dans la société actuelle, on est confronté à la réalité de l'argent. Mais quand c'est l'apprentissage de la musique pour les enfants, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, au cœur des enseignants, de mettre la musique à la disposition de tout le monde. Merci. Bravo. 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 Merci. Bravo.